Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver sur la chaîne des éditions Cana. Nous sommes aujourd'hui réunis sur ce stream pour, eh bien, passer un moment assez particulier tous ensemble. Nous allons parler d'un artiste, d'un mangaka extrêmement apprécié du côté de, eh bien, de notre petite contrée qu'est la France. Nous allons parler aujourd'hui de Inyo Asano, bien évidemment connu pour Bonu Poun Poun et surtout tout récemment pour, eh bien, Destruction, hein. C'est un petit peu compliqué à prononcer à chaque fois. Moi, je l'appelle 4D, comme ça au moins c'est fait. Qui vient tout juste de s'achever en France avec son dernier volume. C'est un plaisir de vous retrouver. En plus de cela, nous ne sommes pas seuls, évidemment, sur ce plateau. Nous sommes avec ce très cher Timothée, éditeur chez Cana. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Écoute, bien. Ravi d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir sur ce plateau, de parler un petit peu de tout ça avec toi. Tu es quand même un petit peu, voilà, l'éditeur attitré un petit peu autour de Asano. Donc, hâte de pouvoir voir un petit peu tout ça. Oui, alors éditeur attitré, voilà, chez Cana et la maison d'édition peut-être attitré de d'Asano. Mais voilà, je suis pas tout seul chez Cana. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est juste que tu as une petite étiquette autour peu, de cet auteur. Un petit peu suivi le truc, mais... Voilà, Christelle Lance est celle qui, quelque part, a eu la première, le coup de cœur pour Asano chez Cana et qui a fait en sorte qu'il a débarqué au catalogue chez nous. Donc voilà, je tenais à rendre à César ce qui appartient à César. Tu as raison, c'est parfaitement fait. On va pouvoir passer à notre deuxième invité, puisqu'il s'agit de Stéphane, qui est en plus de cela journaliste chez Télérama. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais là-bas et de ton amour un petit peu pour les mangas? Ça fait... Je m'occupe de bande dessinée là-bas, je suis avec l'actualité bande dessinée et aussi manga forcément. Cheveux blancs en atteste maintenant depuis une petite vingtaine d'années. Donc voilà, donc Asano est quelqu'un, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais bien sûr, assez exceptionnel sur la carte du manga. Ah bah c'est sûr qu'on le sait aujourd'hui, hein, Asano a quand même su vraiment marquer un petit peu son époque à travers tout ce qu'il a produit aujourd'hui. Mais justement, Stéphane, est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu plus nous parler de Asano, d'où il vient et surtout comment il arrive au manga? Alors, d'où il vient Asano, qui en fait a l'air d'être très très tokyoïte quand on lit ses mangas, on a l'impression qu'il est né à Tokyo, tout ça, pas du tout. En fait, il vient d'une petite ville du nord, je crois que c'est la préfecture d'Ibaraki, si je me rappelle bien, qui n'est pas hyper loin de Tokyo, mais c'est vraiment quand même un autre paysage. Et il a grandi là, et en fait, il a commencé vraiment à faire du manga, à publier sa première histoire quand il avait 18 ans. Oui, donc tôt quand même. Très tôt, très tôt. Et je pense que quand il a, dès qu'il a pu, il est monté à Tokyo. À Tokyo. Ouais. Il y est maintenant, il y réside depuis plus d'une vingtaine d'années. L'appel de la ville, évidemment. L'appel de la ville, peut-être que la vie en province lui pesait un peu. Ouais. Quand je l'ai rencontré une fois il y a 4 ans à Tokyo, on avait un petit peu parlé et en gros, Tokyo, c'était l'évasion, quoi. C'était de pouvoir faire ce qu'il voulait sans qu'il y ait quelqu'un qui le regarde ou qui ait ce poids, le regard social au Japon, on sait que c'est assez lourd. Assez et d'ailleurs, ça revient, c'est assez récurrent. Timothée ne me démentira pas dans ses œuvres, dans ses ouvrages. Donc voilà, donc il avait envie de ça. Je pense qu'il avait envie de liberté. Comme souvent quand on est provincial et qu'on a envie qu'on monte dans une grande ville. Tout à fait vrai. Ouais. Justement, Timothée, puisqu'on parle un petit peu de comment il est venu là-dessus, mais est-ce que tu as peut-être des petites anecdotes concernant notamment ses œuvres aujourd'hui? Comment il a réussi à arriver à cette stature du manga au final? Ça, c'est... Enfin, en France... Ça s'est construit au fil des années. Ça n'a, il n'a pas été l'auteur plébiscité qu'il peut être aujourd'hui. Ça, je pense qu'il a d'abord touché un public de spécialistes, de fans, d'aficionados. Ouais. Et pourquoi et comment ça s'est élargi à un plus grand public, on ne l'explique pas très bien. Évidemment, nous, on a travaillé pour publier, faire connaître ses œuvres au fil des années, mais il y a une espèce d'explosion ces deux dernières années, notamment sur sa série Bonne Nuit Poun Poun, qui a vraiment marqué les esprits un peu. Ouais. Voilà, un peu de nulle part, on n'a pas trouvé d'explication. C'était les libraires qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on a loupé il y a eu une annonce autour de la série, parce que tout le monde en vend de plus en plus. » Et voilà, il y a eu un phénomène sans doute
par les réseaux sociaux, qui a déclenché un engouement autour de cette série. Après, ben voilà, il y a aussi toute une génération de lecteurs qui ont grandi mmh. avec Asano, qui ont peut-être voilà, diffusé aussi le message de ouais. leur côté, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un public plus important autour de cet auteur. Mmh. Bah, effectivement, en plus, on sait qu'effectivement, comme tu l'as dit, le marché du manga a explosé, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, c'est quelque chose ouais. qui... vraiment, bah, typiquement, tu prends Twitter ou même YouTube, la quantité de reviews que tu as par jour, c'est démentiel, hein, ça devient vraiment... limite industrielle chez certains. On est à combien d'œuvres aujourd'hui pour Asano au Japon et en France ? Oula, j'ai pas compté. Si je regarde rapidement sur la table devant si, nous... Si tu l'as pas, 3, c'est pas très 4, grave, 5, 6, mais 7, on est à peu 8, près 9, à 10, quasiment 11, une dizaine finalement. Je dirais 11 en France. Mm. Et puis ça doit être grosso modo la même chose au Japon, peut-être 12 ou 13. Il y a peut-être ouais. un ou deux trucs qui n'ont pas été, qui n'ont pas été publiés. Auteur assez prolifique finalement, parce qu'on parle de 20 ans, enfin à peu près 20 ans de carrière, puisque là tu as dit qu'il a commencé à 42 18 ans. Ans donc voilà, on est un peu plus de 20 ans de carrière, il nous sort déjà 12 mangas, c'est quand même une belle cadence finalement pour un mangaka comme ça. Oui, il est super, super prolifique, super productif, et en plus ça contraste un peu avec son look où il a l'air toujours un petit peu nonchalant, tranquille, un peu baba quoi. Enfin, vaguement, il a les cheveux peroxydés. Enfin, il a pas un look de mangaka, mais il a pas le style classique qu'on peut connaître. Ouais. Et en fait, il bosse comme un taré, quoi. Enfin, il bosse beaucoup, énormément. En plus, tu disais qu'effectivement, Timothée, il y avait une douzaine, ou quinzaine, on ne sait pas très bien d'œuvres, mais en gros, dedans, il y a quand même des séries comme Poon Poon ou DDD, qui sont des séries en Au moins en plus de 10 tomes, et on se rend pas compte. Mais 10 tomes, ça prend quand même. C'est énorme. Au moins 3 à 4 ans d'une vie d'un auteur, hein, quand on remet un petit peu les choses comme ça. Donc effectivement, il y a quand même voilà, une certaine assiduité du côté d'Asano pour en tout cas sortir des séries de façon régulière. Et justement, on a aujourd'hui peut-être un peu plus de vision sur ce qu'il est capable de faire, sur les idées qu'il a envie de transmettre. Est-ce que tu as peut-être des petites anecdotes justement vis-à-vis des messages qu'il a envie de faire passer suite aux différentes rencontres que tu as eues, Timothée, et toi aussi Stéphane d'ailleurs? Moi, je le décrirais comme un chroniqueur du quotidien. Ouais. C'est un peu la définition qui me vient à l'esprit quand on me demande de parler d'Asano. C'est ça, il est dans le portrait des petites choses de la vie avec un regard assez acéré, pas du tout naïf, pas cuculapraline, au contraire, voire amer ou cynique ouais, par moment. Clairement. Cynique, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Mais assez avec une. J'ai l'impression, encore une fois, ce n'est que mon ressenti. Une envie un peu d'aller où ça peut faire mal, où ça dérange, ouais, par rapport à ses contemporains, par rapport à la société japonaise dans laquelle il vit. Il est à chaque fois dans des récits de son temps, de son époque. Et on le voit aujourd'hui avec un Errance, il n'aborde plus les mêmes sujets à 40 ans, enfin, ou la quarantaine arrivée, que dans Solanine, où il était dans la vingtaine. Ouais. Voilà. Il est aussi en adéquation avec sa propre vie. Et toi, mon très cher Stéphane, comment tu vois aujourd'hui tous les messages qu'il a pu apporter? Écoute, les je suis d'accord avec toi, Timothée. Je pense que c'est un type qui est d'autant plus intéressant qu'il évolue énormément. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah bah oui, on voit ce qu'il a fait à 20 ans, puis 20 ans plus tard, il est toujours sur le même trend. » Non. Mm. En fait, il se remet énormément en question. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des obsessions et qu'effectivement... Le quotidien, c'est son truc. Non, mais le quotidien, c'est vraiment... On va en reparler, mais c'est un virtuose du quotidien. Mais au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui est très attentif à ce qui se passe autour de lui, l'air de rien. Et c'est ce qu'on appelait jadis un moraliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit très très bien la société, qui la dissèque en petits bouts, qui sait exactement la montrer comme il faut dans ses mangas. On comprend exactement ce qui se passe. Et en même temps, tu parlais de messages. Il y a des messages en creux, en tous les cas. Il y a des choses qui sont assez claires. Mais ça dépend en fait des mangas. Mm. Il y en a où il met beaucoup de lui. Effectivement, tu parlais d'Errance, qui est un manga récent où il décrit... pas la déchéance, mais la,
la grosse dépression, on va dire, le gros coup de mou d'un auteur de manga à succès qui se remet complètement en question et qui montre un peu toutes les coulisses pas très propres du monde du manga. Du monde du manga. Ça, c'est un fait. Mais par exemple, on parle de DDD puisque, tu l'as dit, le dernier tome vient ou va paraître. Vient de paraître. Il vient de paraître, ouais. DDD, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il se posait lui-même comme une caméra et il se balade. Il reste volontairement objectif, mais ce qu'il montre est effrayant. C'est-à-dire que, effrayant. C'est malheureusement des choses qui se sont vérifiées plus ou moins récemment sur le crunch des auteurs et autres, ce genre de choses-là. Donc, ouais. Mais il regarde vraiment dans le détail la société et il montre sans juger apparemment. Quoi. Sauf que, bon, on comprend quand même assez vite que même s'il connaît, à mon avis, très bien les réseaux sociaux, vraiment, et d'ailleurs il l'a dit dans certaines interviews, c'est pas son truc, il déteste. Ouais. Parce qu'il pense que c'est à terme quelque chose d'assez... D'assez néfaste. Oui, je ne devrais pas dire ça là, mais bon, voilà, c'est ce que lui pense, mais... c'est pas forcément ce que je pense. C'est les propos de l'auteur, bien sûr. Et en même temps, il dit aussi... donc, je suis mangaka et je suis ravi de faire ça. Aujourd'hui, je devrais me lancer dans une carrière. Je ferais youtubeur et pas et pas forcément mangaka. Donc finalement encore son regard sur les réseaux sociaux sur notre époque. De toute façon il est souvent ambivalent, voilà. Il est souvent contradictoire et ça le dérange pas. Justement, mais parce que ça fait partie de son évolution. C'est totalement assumé, en fait, à chaque fois. Assumé. Mais même dans toutes ses œuvres, c'est assumé, cette ambivalence que tu peux avoir. Tu peux avoir des tomes où je dis bien presque ça va bien se passer pendant quasiment tout le tome et d'un coup, il va se dire non, faut quand même te dire que tu vas te prendre une petite torgnole sur ce tome-là. Donc il y a quand même, voilà, je suis assez d'accord avec l'ambivalence, c'est vrai que c'est quelque chose qui le caractérise quand même plutôt bien. Bon, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout cela, de qui est Asano, petit rappel aussi pour vous dire que vous pourrez gagner des reproductions de ce magnifique Shikishi que vous voyez juste ici, et vous pourrez le gagner à la fin du live, donc restez jusqu'au bout. Vous aurez évidemment un petit message à envoyer dans le chat, il y aura 10 gagnants. Vous allez être des petits chanceux ce soir, moi je vous le dis. Et on a donc voilà ce petit cadeau qui vous mettra très bien pour ce début d'année. Surtout un Shikishi comme ça, on va pas se mentir, il est quand même très 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 sympa. On va justement du coup commencer à attaquer les différentes œuvres de Asano. Le premier que l'on a dans le runner, c'est Un monde formidable. Mon très cher Timothée, est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu la série? On parle d'une série en deux tomes. De quoi ça parle? Oui, et c'est un recueil d'histoires courtes. Ouais. Enfin, c'était deux tomes qui compilaient des histoires courtes qu'on a ressorties, nous, en intégrale, parce qu'au Japon, ils ont aussi rassemblé les deux tomes. Mm-hmm. Et donc, voilà, on est dans ce qu'Asano sait faire à merveille, des histoires courtes, des chroniques du quotidien, avec des personnages ancrés dans le réel, mais avec un côté où ça va partir en vrille ou pas. Ouais. Enfin, voilà. Petit côté fantastique, parfois. Mais c'est à chaque fois, je trouve, moi, très, très juste, encore une fois, dans sa description du quotidien. C'est ça, je crois, son talent, la manière dont il amène cette description du quotidien, qui fait que on est pris par ce qu'il raconte et on se retrouve dedans. Parfois, on n'a peut-être pas envie de se retrouver dans ces personnages, mais voilà, il y a... Et donc ça, c'est le premier titre. C'est le premier vrai titre qu'on a eu de Asano en France, c'est ça? Oui. Donc nous, on l'a publié en 2006, pour la version en tomes séparés. Du coup, cette réédition, elle est sortie quand? Celle-là. Je vérifie, je triche. 2020. Nous, on l'a ressorti en 2020. Parce que, pour le coup, dans le chat, on nous le dit, mais très bon choix de format. Les gens nous trouvent le format vraiment très cool. Et c'est vrai que c'est un joli morceau, quoi. Ouais. Le format était déjà celui-là. Tu peux me le donner comme ça, je le montre. Au point de départ, c'est juste que là, ils sont effectivement compilés. Et les deux tomes sont rassemblés. Il y a quelques ajouts par rapport à la version d'origine, notamment des commentaires d'Asano lui-même sur ses histoires courtes. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce regard rétrospectif sur ce qu'il a pu faire, mais 20 ans plus tôt.
Et surtout que c'est un regard, excuse-moi, c'est un regard assez dur. C'est-à-dire qu'en fait, il se fait pas de cadeau, quoi. Il est ultra lucide, et quand ça va pas, il dit, bah ouais, ça s'est pas très bien dessiné, j'aurais dû faire comme ci, comme ça, quoi. Voilà. En fait, ce qui est fou de se dire que, vraiment, déjà à 22 ans, il était aussi abrupt dans ses sujets. En fait, on sent qu'il a eu 2-3 soucis dans sa vie, quand même, et que le type s'est dit, bon, il faut quand même qu'à un moment, je me sorte de tout ça et que je le pose sur papier. Et Un Monde Formidable, je trouve que c'est déjà une très belle représentation de ce que va proposer Asano par la suite. On a évidemment quand même cette évolution de style. Il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on voit dans 4D et dans ce recueil-là. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir vraiment cette première formule qu'on a. On va pouvoir enchaîner tranquillement puisque nous allons passer à un autre de ces titres, puisqu'on va parler un petit peu du quartier de la lumière. Je vais cette fois-ci demander à Stéphane de nous parler un petit peu de ce petit one-shot, si tu peux, bien sûr. Mais bien sûr, pas de problème. Alors, le quartier de la lumière, en fait, c'est un quartier de Tokyo, mais un petit peu excentré. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de centre-ville à Tokyo, parce que la ville est tellement énorme qu'on va dire qu'il y a plusieurs centres-villes, mais il y a vraiment des quartiers des banlieues plus éloignées que d'autres. Et là, c'est le cas, mais c'est une banlieue plutôt assez chic pour gens aisés. Et en fait, le véritable héros de ce roman, c'est le quartier. En fait, il y a au moins deux parties dedans. On suit des personnages qui ont une histoire, puis qui croisent certains personnages qu'on va voir dans... Voilà, il y a déjà une recherche de construction. Encore une fois, quand je disais tout à l'heure qu'il se renouvelle, il cherche vraiment à chaque fois à faire un truc qui soit un peu différent. Donc, ouais, le thème est le même, on est quand même dans des quartiers. Il montre à quel point les quartiers, les paysages ont une incidence, un poids énorme sur les gens. Pour lui, c'est super important. Et en même temps, il essaie de trouver des moyens d'en parler différemment. Quoi. Il ne va pas refaire 20 fois ce qu'il a déjà fait pour Un Monde Formidable. Donc voilà. Et déjà, là, on peut voir qu'il se dirige vers une série. On sent qu'il a envie de faire quelque chose d'un petit peu plus construit, de plus long et de plus cohérent. Et pourtant, c'est un one-shot. Mais c'est des parties qui s'imbriquent. Mmh. C'est vraiment des histoires qui n'ont rien à voir, a priori, l'une avec l'autre. Mais voilà. J'aime bien ce genre de récit où, effectivement, on te met plein d'histoires et d'un coup, à tout moment, ça va se réunir et ça va créer ce point d'intrigue qu'on cherche à avoir tous. Timothée, toi, t'en as pensé quoi de ce one-shot? Parce que ça montre, comme il l'a très bien dit, l'évolution déjà de Asano sur cette deuxième série. On parle d'une série qui sort assez rapidement derrière, hein, puisque je crois qu'il a 24 ans quand il sort cette série, donc c'est plutôt rapide. Deux ans, il y a eu un tel bond de maturité. Oui, c'est effectivement 2003 pour Un Monde Formidable au Japon et 2005 pour Le Quartier de la Lumière. Moi, je découvre ça à peu près à cette époque-là, parce que j'arrive chez Kana en 2006. Donc, on commence à publier Un Monde Formidable en 2006. Et jusqu'à présent, mon rapport au manga était très, on va dire, soit shonen, soit récit plus SF. Ouais, okay. Et je n'étais pas rentré encore dans les récits tranches de vie. Et je découvre ça un peu, cet aspect-là du manga avec Asano. Et moi, ce qui me frappe, c'est, alors que ça nous vient du Japon, que c'est une autre culture, une autre ville, je me reconnais dans ces personnages. Bien sûr. Alors, pas complètement, mais il y a des choses où il me bluffe. Et c'est comme ça que j'accroche à Asano. C'est à travers le quartier de la lumière que tu accroches? Ouais, plus encore avec Solanine, mais déjà dans... On en parlera juste après, je te rassure. Dans Un Monde Formidable, dans les dialogues entre le couple qu'on suit à un moment, les échanges qu'ils ont entre eux, c'est dans un quartier, le quartier de la lumière, tu te retrouves dans ta relation de couple que tu peux avoir, ça m'a marqué. C'est marrant parce qu'il y a quand même un propos qui revient assez régulièrement dans tes dires, c'est justement cette représentation. Et plus t'en parles, plus on a l'impression que finalement c'est ça en fait la véritable force d'Asano, c'est de réussir à dépeindre l'humain, mais dans tous ses prismes, qui aussi bien positifs que négatifs. J'ai un peu l'impression que c'est quand même vraiment cette représentation globale, quoi. Mais c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, quand tu relis les commentaires qu'il fait sur Un Monde Formidable,
où il n'hésite pas à dire oui, est-ce que là, ce que j'ai fait, bah, c'était pas suffisamment bon. Enfin, il n'est pas tendre avec lui-même, et c'est ça aussi qu'il fait avec ses personnages et ce qu'il nous raconte, c'est que oui, il y a de belles choses dans la vie, mais il y en a aussi des trash. Bien sûr. Il faut faire avec tout ça. Après, comment on fait ? Bon, ça, chacun se débrouille, mais il n'hésite pas à nous raconter tout ça, et avec, j'ai l'impression, cette envie justement d'être très juste à ce niveau-là, dans ce qu'il raconte, ne pas être à côté de la plaque et être le plus humain possible, peut-être. Évidemment. Oui, bah, je pense que c'est plus, ouais, c'est ça, être humain. En fait, quand bien même on est cette vision qui peut être très biaisée vis-à-vis d'un auteur ou autre, j'ai l'impression qu'il a aussi quand même ce côté de se dire je mets ce que je suis en tant qu'humain, et quand bien même si c'est pas forcément bon pour vous, bah il faut aussi accepter qu'on ait tous des visions différentes et autres. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir déjà en deux œuvres et bien la vision qu'a pu avoir Asano aussitôt finalement, parce que c'est quand même six ans après son début en tant que mangaka, quoi. Donc je trouve que c'est assez fort. Le plus drôle, si tu veux, c'est qu'au départ, il voulait faire du manga humoristique quand il a débuté le manga. Oui. Chose qu'on retrouvera dans... Alors, il y a beaucoup d'humour, hein. Il faut rassurer ceux qui ne connaîtraient pas son œuvre. Hein. Là, on parle, effectivement, il y a un aspect sérieux, très observateur, un peu entomologiste de la société, mais c'est très drôle. Ouais. Enfin, il y a des séquences à la fois très émouvantes, très dramatiques, et d'autres qui sont très, très drôles. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te surprends à rire, trois pages après, tu es en mode... Ok. Allez, on va continuer de passer parce que c'est compliqué. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il est très très fort pour ça quand même. Alors, justement, tu as parlé un petit peu de Solanine. On va en parler. Ça sort en même temps, d'ailleurs, que Le Quartier de la Lumière en France, puisque c'est en 2007 aussi. La même année, ouais. Bah, du coup, raconte-nous un petit peu ce que donne Solanine, puisque c'est ce qui, visiblement, t'a fait accrocher à ça. Ouais, là, on a... plutôt l'histoire d'un couple, jeune couple, à cet âge un peu charnière où tu termines les études et tu dois rentrer dans la vie active. Et qu'est-ce que cette période où tu te poses plein de questions. Est-ce que ce dont je rêvais, ou le côté passion pour quelque chose, est-ce que je vais pouvoir en vivre ou pas, ou est-ce que je dois un peu me ranger et me plier un peu aux exigences de la société, avoir un boulot classique. Magique classique, ouais. Classique pour satisfaire les parents. Et donc on suit toute une bande de personnages autour de ce couple qui sont dans dans ce moment-là, charnière, avec voilà, les choix qu'ils vont faire les uns les autres. Et je ne veux pas... Mais c'est très bien. Pour faire des bons, spoiler ceux qui n'ont pas lu Solanine. Et moi, en plus, voilà, je me retrouve à débarquer chez Kana après les études. Donc, quelque part, je sortais un peu de cette période-là. Tu te sentais vraiment très rattaché, quoi. Et donc, je me disais, mais il a tout compris. Enfin, il arrive à faire passer dans un manga ce par quoi on passe tous à un moment donné, avec encore une fois aussi ce poids de la société dont tu parlais tout à l'heure, qui peut être écrasant, et comment tu te rebelles ou pas par rapport à ça, et comment tu trouves ta voie. Oui, donc finalement, c'est marrant parce que encore une fois, Asano arrive à résonner directement dans l'esprit des gens, quoi. C'est ça qui est fou. On est déjà à juste trois titres et c'est encore une fois un reflet de quelque chose qui t'amène tout de suite, qui te permet de te connecter au récit ultra rapidement. Vraiment, il est trop fort. Plus la discussion avance, plus je suis il est trop fort. Il n'y a même pas d'autre débat. Pour rappeler aussi, on a quand même du coup l'édition intégrale qui est juste là de Solanine, que vous pouvez d'ores et déjà acheter, bien sûr. Hein. Il est au prix de 19,90. En plus de cela, on commence à voir, je trouve, une évolution graphique. On commence à se tendre vers ce que fait aujourd'hui Asano, même si on a encore beaucoup de chemin entre DDD et Solanine, mais on commence à arriver sur quelque chose. On sent qu'il commence à prendre un petit peu en niveau de dessin, même s'il il était déjà de base très fort, il n'y a aucun souci. Mais ça s'affine au niveau des personnages. Tu prends Bonu Poun Poun ou encore 4D, il y a de plus en plus de traits, les trames sont mieux faites,
Les décors, c'est... Bon, après, il a évidemment les assistants et autres, pour ce genre de choses, mais on sent quand même que c'est plus travaillé dans, l'élaboration de ce genre de choses. Il n'est pas tendre avec lui-même, mais parce qu'il est aussi exigeant avec lui-même envers son propre travail. Et il veut progresser, il veut évoluer. Il aime être mangaka et essayer de... de faire évoluer son travail. Quoi. Il n'a pas envie de s'encrouter dans... Il a dit un truc qui était assez éclairant, je trouve, c'est une citation où il disait « Je n'ai jamais cherché aucune formule, aucune recette. » En fait, donc l'idée, c'est pas de me faire reconnaître en tant que « Bah voilà, j'ai un beau trait, je suis un bon... » Non, manufacteur d'histoire. Non, non. Moi, l'idée, c'est de pousser le médium le plus loin possible. Mmh. Et m'étonner moi-même et de faire des histoires qui, moi, me plaisent au moment où je les fais. Alors, c'est une liberté chez les mangaka assez rare, il faut bien le dire. J'allais dire, c'est pas tout le monde qui a ce genre de choses-là, mais... Non, mais c'est bien lui, c'est-à-dire qu'il est vraiment entre deux, quoi. Il est... Il touche un public plus large qu'un mangaka, un auteur, on va dire. Bien sûr. En même temps, il a jamais fait d'énormes succès au Japon, en tous les cas, et il cherche pas. En fait, le côté populaire n'attire pas plus que ça. Il aimerait juste toucher un public un peu plus large pour continuer à faire ce qu'il a envie de faire et gagner sa vie correctement. C'est donc ça va. Mais il n'est pas à la recherche du tube qui va tout... Du tube interplanétaire, type un Naruto qui va faire 75 volumes, 74, c'est pas vraiment ce qu'il visait non plus. Quoi. Bah, quand à 20 ans, tu te lances dans le manga, que tu es très doué, que tu remportes des concours, que tu commences à publier et que dès le début, tu fais du seinen... C'est que tu sais que tu te condamnes un petit peu à toucher à être sur un peu plus marginal, sur une série un peu plus complexe. Si tu arrives à décrocher une série dans le Weekly Shonen Jump. Ah, et c'est sûr que voilà, c'est pas la même en termes de. Déjà, l'échelle est. Mais à 20 ans, voilà. À 20 ans, lui, il suit son chemin, en fait. En fait, il a déjà le public qu'il veut cibler et les idées qu'il a. Donc, du coup, forcément, tu vas tout de suite te diriger vers une maison d'édition. Peut-être un peu différente, effectivement, de la Shueisha, qui, à ce moment-là, on est en deux... C'est sorti quand, Solanine, au Japon? Ça doit être quoi, 2005? Si je ne me trompe pas. 2005 au Japon, 2007 donc, chez nous. 2005, c'est à Bleach, Naruto et tout le bazar qui cartonne à fond. Donc oui, effectivement, c'est ultra compliqué d'aller rejoindre ces grands-là. Quoi. Mais en même temps... Quand tu vois son niveau déjà de technicité, de virtuosité de dessin, il pouvait relever ce genre de défi s'il avait envie. Et juste, je pense que foncièrement, c'est pas sa carte. Ouais, c'était pas ce qu'il recherchait du tout. Alors, on nous dit, Solanine, c'était encore assez moche. Alors, c'est moche, oui et non. C'est juste qu'encore une fois, moi en fait, j'ai vraiment l'impression que tu sens qu'il est encore très jeune dans son trait. Et pourtant, tu l'as très bien dit, il a déjà une technicité qui est assez folle. Notamment au niveau des ombrages. Moi, j'avoue que c'est ça qui m'a vraiment le plus surpris quand j'ai commencé à lire Asano, c'est la capacité à rendre les expressions ultra intéressantes de par les ombres qu'il met sur les visages. Et ça, ça avait été un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'avais lu les premières. Donc, je trouve quand même qu'il a vraiment un talent assez prononcé, et ce, dès le début. Maintenant, évidemment, Solanine, on l'a dit, c'est 2005, il y a encore de l'espace, quoi. Il y a encore de belles progressions à venir. On voit, ne serait-ce que dans l'intégrale, entre effectivement, parce que pour l'édition intégrale, il avait rajouté deux derniers chapitres. Mm-hmm. Et tu vois, tu notes la différence de style entre les premières pages et ces deux derniers chapitres. Mais ça fonctionne, comme tu le dis, déjà très bien à l'époque. Et ce qui est fou dans les petites anecdotes... Donc on sort Solanine en version séparée en 2007. Ouais. Et on sort l'intégrale en 2019. Et en un an, on vendait autant d'exemplaires que ce qu'on avait vendu depuis le début de l'édition quand même. Séparée. Donc il y a quelque chose qui s'est passé autour d'Asano. Il y a une vraie propagation à travers les réseaux sociaux. Hein. Enfin, est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai pas la réponse pour le coup. C'est pas les médias traditionnels, ça c'est clair. Malheureusement non. Ça aurait mérité, mais il était pas encore venu à Angoulême. Oui, c'est vrai. Il était pas encore venu. C'est 2020 qui vient à Angoulême. Moi pour le coup, l'endroit où pour la première fois j'ai entendu parler de Asano, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur un thread Twitter d'un gars qui parlait des œuvres qui l'avaient marqué.
Et dedans, tu avais Solanine. Donc du coup, à ce moment-là, c'est des gens qui propagent ce genre de choses-là. Et... Mais c'est marrant comment ce titre a marqué un certain nombre de lecteurs. Moi, c'est effectivement sur le réseau, dans le titre... Alors, tu vas plus voir Poun Poun aujourd'hui. Oui, mais Solanine avait quand même une place assez importante, je suis assez d'accord. Alors oui, on nous dit le marché a vieilli aussi, je suis d'accord là-dessus, mais aujourd'hui, quand tu regardes quand même qui achète du manga, c'est pas forcément les plus vieux. Hein. On est encore quand même sur des trucs très jeunes. De toute façon, on le voit, le truc qui marche le plus en France, c'est du shonen, pas du seinen. Donc, non, mais c'est vrai, par contre, effectivement, le marché a vieilli, et c'est surtout que la base de lecteurs s'est élargie. Puisque les lecteurs qui lisaient du manga il y a 20 ans continuent d'en lire, et il y en a d'autres qui sont ajoutés et qui découvrent. Donc ça, voilà, ça augmente le nombre de lecteurs potentiels. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même un joli marché qui s'est bien développé. Clairement, je pense que Asano peut tirer un peu plus son épingle du jeu aujourd'hui. On va passer à une autre de ses œuvres, évidemment. La fin du monde avant le lever du jour. Alors là, pour le coup, je ne connais pas du tout. C'est l'une des séries que je n'ai jamais touchées concernant Asano. Donc Stéphane, est-ce que tu as des choses à nous dire concernant cette série? J'ai gagné la fève. écoute, pas grand-chose non plus. En fait... Si je me rappelle bien, c'est un recueil d'histoires courtes. Oui, on revient sur donc, le format recueil. Voilà, on peut peut-être parler de ça, c'est un format qu'il affectionne depuis toujours et qu'il continue à faire. D'accord, très bien. On en parlera tout à l'heure, mais quand même, anthologie, bref. Les anthologies, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il apprécie. Non, mais oui, anthologie qui est sortie d'Asano, qui est sortie chez vous il y a quelques temps. Oui, qui est sortie en 2020. C'est ça. Et en gros, ce sont des nouvelles qui ont été faites dans la décennie 2010-2020. Ok. À peu près. Et donc, ça veut dire que depuis ses débuts, il fait des histoires courtes. Et qui fait en parallèle de ses séries, qui ne veut pas s'interdire effectivement ce format-là. Et ça lui permet aussi surtout que cette planche, elle est iconique, elle est connue de tous, quoi. Ce sourire, ce gars avec ce sourire, tu le vois sur les réseaux sociaux partout. Bah oui, alors ça, c'est intéressant parce que. Regarde là, ce gars-là, en fait, ça pourrait être carrément un personnage de Matsumoto Taiyu. Cette façon-là, cette manière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, on évolue. Là, il a déjà évolué par rapport à ce qu'il faisait auparavant. Il se permet des choses, il a une liberté. Il est moins photoréaliste, il prend son style, commence à. Ah, ça fait. Il se lâche, quoi. Ouais, tu sens que l'évolution du personnage est plus notable, je dirais, ici que dans Solanine. Là, il y a vraiment un switch à partir de ce moment-là. Ouais. Alors, justement, donc du coup, moi, ça me fait penser à un auteur qui fonctionne de plus en plus en ce moment, qui se met à avoir des anthologies. Je pensais à Fujimoto, évidemment, qui se retrouve peut-être un petit peu même dans ce mode de fonctionnement où on voit justement des mangas sortir et prendre de plus en plus de place, mais aussi des anthologies. Est-ce qu'on peut avoir une petite comparaison entre les deux ou pas du tout? Alors, il traite évidemment de sujets très différents, où Fujimoto est peut-être un peu plus en roue libre, mais dans la construction, en tout cas, plus on avance et plus on voit comment le temps évolue, plus ça ressemble quand même... Bravo, j'y aurais pas pensé tout de suite, mais en fait, en t'écoutant, en y réfléchissant, c'est pas faux. Alors, c'est des générations différentes. Donc, bien sûr. C'est vrai qu'avec les mangakas, la génération dans laquelle tu nais a une importance. Mm-hmm. Donc, Fujimoto est quand même sensiblement plus jeune... Qu'Asano. Il a 30 ans. Mais en revanche, il y a des parallèles. Effectivement, ce goût assez dingue pour les histoires courtes. Il y a deux recueils, effectivement, de Fujimoto qui sont parus récemment là-dessus. Et puis, là où je te rejoins, c'est pas tellement sur Chainsaw Man ou. Parce que ça, c'est pas vraiment. C'est pas dans les récits, Asano, effectivement. Mais, même, non, sur. C'est Look Back, je crois, là, qui est un one-shot. Et qui. Et dans un univers de quotidien, d'amitié, de relations entre, entre deux jeunes femmes, qui finalement n'est pas très loin de ce que. Oula, Asano, on va dire. N'hésite pas à boire un petit peu d'eau, si besoin. De 4D, quoi. Tu vois, dans 4D, tu as quand même. Je suis assez d'accord là-dessus. Une sorte de cœur de jeune femme, d'amitié, de groupe, il aime bien ça. Bon, je dis pas que c'est complètement ça, mais. Mais on peut en tout cas faire un parallèle entre les deux. Il faudrait en tout cas poser la question à Fujimoto si voilà, il a lu l'œuvre d'Asano. Mais est-ce que ça l'a influencé ou pas ? Je serais assez curieux. Parce que. Quand j'ai entendu là, tout ce qu'on a dit, j'ai dit putain, mais ça me fait vraiment penser au parcours actuel de Fujimoto. Quoi. Donc du coup, peut-être un jour, Fujimoto, si tu viens à Angoulême, te posera la question.
Bon, en tout cas, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, on va pouvoir rentrer dans le manga qui aura marqué beaucoup d'entre vous, puisque nous allons parler maintenant de Bonu Poon Poon, sorti en 2012 dans les éditions Kana. Timothée, est-ce l'œuvre la plus culte de Asano ? L'histoire le dira. En tout cas, c'est clairement la plus connue et qui a marqué le plus de monde chez nous. C'est aussi finalement la première série longue d'Asano. Et il arrive avec cette espèce d'ovni. Il a son style qu'on a connu jusqu'à présent. Et il met là-dedans un personnage caricaturesque. Incroyable. Poon Poon, espèce de petit poussin qui débarque. Et tout de suite, là, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il veut aller ? Qu'est-ce qu'il va nous raconter avec ça ? Et il y va en mode on va suivre ce personnage de l'école primaire jusqu'à jeune adulte et il va pas l'épargner. Je pense que claque, c'est il y a pas mieux, tu vois. Il y a des scènes où la justesse du truc est. Enfin, des émotions qu'il arrive à réveiller chez le lecteur, il est incroyable à ce moment-là. Stéphane, toi, t'en as pensé quoi la première fois que t'as posé les mains sur Bonu Poon Poon ? La première fois, j'ai eu un sentiment très paradoxal. Donc, c'est sorti en 2012 en France. Ouais. Je lis, je trouve ça génial. Et en même temps, je me dis, mais en fait... il doit y avoir un twist avec le petit poussin. On va apprendre plus tard que. Et je pense que ça va changer dans la série. Et je me plante, évidemment, dans les grandes largeurs. Et je me suis vraiment dit ça aussi au début, t'inquiète pas. Hein. Mais bon. Et en fait, du coup, j'ai pas mordu dedans tout de suite, peut-être à cause de ça. Peut-être parce que je m'étais trompé, qu'on n'aime pas se tromper, j'en sais rien. Enfin, normal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortaient aussi. En revanche, quand je l'ai redécouvert après, enfin, à mon sens. On pourra en discuter longuement, mais il y a quand même au moins deux œuvres qui émergent de ce qu'il a pu faire. Enfin, trois, si on met 4D aussi pour d'autres raisons, mais qui sont très très fortes, c'est celle-là et Errance, pour d'autres raisons. Mais ça, il a mis tellement de lui dedans, et en même temps, comme tu le disais, Timothée, il a rendu ça, il nous rappelle des choses qu'on a oubliées, des sentiments... de honte, des pulsions super violentes quand t'es gamin. À l'enfance, L'amour fou que tu peux avoir quand t'es petit, quand t'as 10 ans pour quelqu'un, et puis que ça va te poursuivre des années. Et en fait, c'est comme si on oubliait ça en grandissant, parce que, on a d'autres expériences. Il y a le temps, les souvenirs qui effacent au fur et à mesure. Exactement. Ouais. On ne veut pas se rappeler certaines choses. Lui sort ça de son chapeau. Et tu te dis, mais comment il fonctionne ? Comment est-ce qu'il a ça en tête ? Comment est-ce qu'il se souvient aussi bien de tout ça ? Alors effectivement, la mémoire, ça se travaille. Hein. Je veux dire, plus tu cherches, plus tu retrouves des choses. Mais quand même, à ce point de virtuosité encore. C'est vrai que virtuosité, ça vient assez souvent quand on parle des anneaux. Parce que la justesse, elle est quand même assez extraordinaire. À la fois dans la narration et dans le dessin. Quoi. Mais narration, c'est narrativement, Poon Poon, c'est waouh. À Poon Poon, je pense que si tu veux pour moi une leçon d'écriture, Bonu Poon Poon, ça en est une. Mais sur. Peut-être pas tous les plans, parce qu'il y a quand même un moment où je trouve que ça perd un petit peu, mais ça remonte tellement fort par la suite que j'ai l'impression que c'était voulu. De toute façon, moi, c'était pour l'émission, cette question, tiens, ouais, choisissez une planche qui vous a marqué dans Asano. Donc moi, tout de suite, j'ai Poon Poon en tête, mais c'est difficile d'isoler une planche parce que t'es dans une narration. Et non, il faut. Tu sais quelle planche j'ai prise laquelle j'ai prise ? Non, on m'a gardé la surprise. Donc, parce que vous verrez, à un moment dans l'émission, on parlera évidemment de nos planches préférées. Et je pense qu'en vrai, elles vont toutes être toutes les trois très différentes. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup, à ce moment-là, on débriefera. Parce que. Ça en dira beaucoup, je pense, sur les différentes visions qu'on a sur les histoires d'Asano. Alors, je crois un petit peu quand même le chat pour vous dire un petit peu ce qu'ils disent, parce que ils nous le disent. Bonu Poon Poon, je l'ai lu après 4D. La libraire m'avait prévenu. Je n'ai pas passé une bonne nuit après avoir lu le tome 1, mais la série est tellement incroyable que j'ai tout dévoré d'une traite.
Ça, je ne vois pas ce qu'on tire, je pense que c'est totalement... Peut-être que ça, c'est effectivement quelque chose qui a aussi changé et contribué au succès de Poun Poun, succès récent. Mm-hmm. C'est qu'aujourd'hui, tu peux lire les 13 tomes d'affilée. Ce qui n'était pas le cas au départ, où tu attendais que le prochain tome paraisse. Et là, effectivement, je ne me suis pas réessayé à lire tout le... Ça marche bien. Hein. Toute la série d'un coup. Oui, ça marche bien, je suis d'accord. Mais voilà, il y a Flash. Alors justement, on peut, là, pareil, hein, c'est des histoires de goût et de couleur, encore une fois, mais personnellement, même si j'aime beaucoup 4D, 4D, c'est pas, tu vas pas t'avaler 13 tomes d'affilée. Hein, C'est conséquent, c'est complexe, dense. Ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de personnages, il y a des sujets. Il y a sans déflorer, hein, mais il y a des réalités parallèles. C'est un récit de science-fiction. Il touche à la science-fiction. En plus, tout le background SF, et la soucoupe blanche, les aliens. Enfin bref, c'est... C'est un peu perché. Hein. Poun Poun, tu oublies. C'est ça qui est marrant, c'est que ce petit personnage qui peut faire rigoler, qui est derrière nous, c'est lui, Poun Poun. C'est vrai qu'il est juste là. Hein. Dans les dessins... Tu le vois plus au bout d'un moment, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu t'identifies complètement, tu te poses même plus la question de savoir si c'est un petit crobard. D'ailleurs, chose assez intéressante, mais c'est on le voit évoluer dans la série. Ça ne reste pas un poussin. Des fois, c'est un triangle. Des fois, c'est un énorme œil, un énorme homme avec trois yeux qui te regardent et qui font te comprendre que là, tu vas bien pleurer pour cet homme-là. C'est clair que Bonu Poun Poun, ça c'est quand même assez particulier. Alors, tu parlais un petit peu du succès post-Covid, mais est-ce que tu peux en parler? Parce que visiblement, il y a eu donc un énorme bond après le Covid concernant Bonu Poun Poun. Est-ce que tu penses que c'est donc du coup lié au fait que DDD soit arrivé également? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc du coup, comme on l'a dit, cette maturité du marché français qui est arrivée, où tout le monde a beaucoup regardé les réseaux sociaux, et à ce moment-là... Oui, mais révélation, quoi. Encore une fois, j'ai pas la réponse à cette question-là. En tout cas, c'est clair que il s'est passé un truc. Les ventes, on l'a vu, ont explosé. Donc c'est du jour au lendemain, vous avez vu les ventes exploser, quoi. Oui. Les libraires sont revenus vers nous en nous disant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que tout le monde nous réclame, Poun Poun. Et on était là, les premiers, rien de particulier. Enfin, nous, en tout cas, Cana, on n'avait pas refait une campagne de pub ou que sais-je. Ouais. Donc là, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné, forcément sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, la caisse de résonance, pour qu'elle ait pris une telle ampleur, passe par les réseaux sociaux. Et effectivement, est-ce que le côté « vous ressortirez pas indemne de cette lecture » c'est quelque chose qui a titillé la curiosité de plein de lecteurs. Ce qui, finalement, est d'ailleurs un sujet assez intéressant dans Poun Poun, la curiosité. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même très vite, où Poun Poun est en mode « Ah, je suis curieux de voir ce truc-là », sauf que, bon, finalement, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire dans l'histoire. Mais je vois le chat, hein, quand même, qui nous dit « Vraiment, récit ultra compliqué, je pense qu'il faut le lire à plusieurs périodes de sa vie, d'expérience à ne pas lire quand on est déjà dans une lumière noire », non, ça c'est sûr et certain. Faut être plutôt serein dans sa vie, hein, pour lire Poun Poun, je trouve. Par contre, ça c'est intéressant. Il m'a fallu deux lectures pour vraiment comprendre Bonu Poun Poun. Est-ce que c'est pas complètement vrai, cette phrase? Parce que il y a tellement de sujets dans Bonu Poun Poun qui pourraient vraiment nous passer au-dessus. Je pense typiquement quand t'es jeune adulte, c'est pas super simple de voir tous les sujets. Stéphane. Ah, écoute, que te dire? Mais oui, bien sûr, il y a plein de dimensions dans Poun Poun. Tu as l'histoire de Poun Poun lui-même, bon, qui est déjà pas très simple, mais ensuite tu as l'histoire tu as plein d'incidents. Tu as l'histoire de son oncle, et puis surtout, il y a plusieurs niveaux. Il y a la religion, il y a les croyances, C'est vrai que les croyances, c'est quelque chose qui est très, très, très mis en avant. Ça se questionne beaucoup là-dessus, en fait. Ça, je pense que c'est un vrai... On retrouve dans Poun Poun, et bon, c'est assez logique, mais pas forcément dans tous les mangas qu'on peut aimer et qu'on peut lire, mais là, on retrouve vraiment toutes les préoccupations d'un type qui se pose beaucoup de questions. Quoi. Ouais. Et qui, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est une piste intéressante, parce qu'on ne connaît pas si bien sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'adolescence et dans l'enfance? Pour moi, il y a forcément quelque chose d'autobiographique là à l'intérieur. C'est... Bah,
Il le dit, il dit qu'il a mis énormément de lui-même. Je ne vois pas comment c'est possible d'imaginer ce genre d'histoire-là, capable d'aller tirer sur autant de noirceur sans avoir une chose. On parle de suicide, on parle de violence domestique ouais, on parle d'alcoolisme, enfin... Et sans aller que sur la partie noire du récit, ne serait-ce que pour retrouver ces émotions de l'enfance, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire réussir cette capacité qu'il a à faire rejaillir des sentiments, des émotions qui sont liées vraiment à l'enfance, à cet âge où t'es, à l'école primaire. Ça, il a été le chercher chez lui. Enfin, bien sûr. Ça me semblerait délirant qu'il aille... que ce soit le témoignage récit d'un autre qu'il arriverait à mettre lui-même en forme de cette manière-là. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, Poun Poun, il y a aussi des moments de joie à l'intérieur. Faut pas non plus dire que c'est que un récit noir où tu vas... juste avaler tout ça. C'est pour ça que je le dis et que je le précise parce que c'est important de le dire. Mais il y a quand même des choses qui sont... Il y a quand même des moments où tu te dis « Ok, c'est cool parce que ça va dans le bon sens. » Je pense à un moment très marquant avec sa maman où pendant autant de temps on te fait croire que et à la fin on te dit que bah peut-être pas, et j'ai trouvé ça ultra intéressant dans la façon de faire, même si c'est quelque chose qui du coup a impacté tout le manga. La relation avec sa mère est ultra particulière et c'est quelque chose qui vraiment va être une pierre angulaire pour moi de l'état de Poun Poun à terme, et même sur la fin Asano, il arrive à jouer avec nous, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. C'est pas, enfin, moi, mon sentiment, c'est pas un méchant, Asano. En fait, il a des pulsions, comme tout le monde, des trucs très noirs qu'il exprime, dont il ose parler, qu'il met en scène. Mais au final, il y a souvent, alors on va pas parler de rédemption, mais il y a des coups de théâtre qui peuvent aller plutôt dans un sens plus sympa, plus happy. Il y a des gens qu'on croyait morts qui reviennent. Il y a des gens qui se rabibochent alors qu'on pensait que ça c'était juste pas possible. C'était impossible, ouais. Voilà, donc, non, il a un bon fond. Non, mais c'est bien de dire qu'il a bon fond, effectivement. Alors, on est donc du coup, voilà, vraiment, on est face à une œuvre qui a su marquer vraiment le public de façon assez récente. Moi, je suis très content de voir Poun Poun vraiment prendre son essor en ce moment et de voir, en fait, finalement, Asano prendre son essor. Surtout que, il a sorti, comme on l'a dit, beaucoup de choses qui sont ultra intéressantes, et aujourd'hui, on a vraiment 4D qui tire un petit peu l'épingle de son jeu aussi, où on va toucher des thèmes différents. Donc, on va quitter Poun Poun, j'en suis désolé, vous vous doutez bien que moi, je suis prêt à vous faire 5 heures de Poun Poun, si vous voulez, tellement il y a des choses à dire. Mais bon, je me suis dit, on va peut-être pas non plus vous spoiler et tout, parce que ce serait un petit peu bête que vous ne puissiez pas découvrir, même si je sais que dans le chat, vous êtes beaucoup à avoir déjà lu. Mais on sait jamais, il y en a peut-être qui seraient tentés et qui pourraient avoir envie de découvrir Asano avec tout cela. Mais passons effectivement maintenant au manga qui vient tout juste de sortir son dernier volume en France. On va parler de 4D, Demon's Destruction, pour parler un petit peu de cette histoire, surtout qu'en plus de ça, on sait qu'il y a un animé qui est en préparation, donc peut-être enfin la consécration au Japon pour Asano. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous parler, puisque tu nous as beaucoup parlé de 4D pour le moment, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le pitch, même si tu l'as déjà plus ou moins évoqué précédemment? Ah ouais. On va faire gros, alors. Voilà, ça se passe dans le Japon, un Japon contemporain, en tous les cas, ou dans un avenir proche, ou, bref, un Japon qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît. Et un jour, je crois que c'est en août, le 31 août, enfin bref. 31 août, tout à fait. 31 août, une énorme soucoupe volante vient se mettre juste au-dessus de Tokyo, et il y a beaucoup de destruction, de dégâts, il y a, je sais plus, presque 100 000 morts. Enfin, ouais. Voilà, et... Évidemment, ça secoue un petit peu la population. Alors, on pense que ça va être la guerre des mondes de H.G. Wells, mais non, parce qu'en fait, la grosse soucoupe reste en vol stationnaire. Et ne fait rien. Ne fait rien, et le temps passe. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'on n'est pas face à une invasion extraterrestre telle qu'on les a vues dans les films ou dans la littérature. Là, il ne se passe rien, on va découvrir au fur et à mesure, et ça va prendre beaucoup de temps, qui sont ces extraterrestres, enfin, avoir des clés, et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Donc ils jouent beaucoup avec ça, mais ils jouent avec tellement d'autres trucs. Et en fait, cette soucoupe, cette menace latente, ça sert un petit peu, je pense, de révélateur à ce qu'est la société japonaise, et donc ça lui permet de décrire, c'est presque une œuvre, alors si je dis ça, ça va faire fuir tout le monde, mais de sociologue, quoi.
Pour moi, on est clairement sur ce genre de choses. C'est une photo, un instantané incroyable du Japon contemporain. Si on veut comprendre quelque chose au Japon contemporain, il faut lire 4D. En plus, ce que je trouve, ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement du coup ce parallèle qu'il y a eu avec Fukushima. Puisque donc en 2012, vous avez eu cette fameuse crise de Fukushima qui a mis le Japon sans dessus dessous et qui a été absolument terrible pour le pays. Et on voit justement comment la population japonaise a continué de rester comme ça, même s'il y a eu une catastrophe. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans 4D. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Timothée, de 4D, parce qu'on arrive vraiment à un point... quand même très différent de ce que faisait Asano au début, aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau des thèmes traités. Comment toi, tu vois aujourd'hui 4D dans l'œuvre de Asano ? Pour moi, ça reste quand même dans la lignée de ce qu'il a pu faire précédemment. Enfin, en côté, je propose un récit ancré dans mon époque actuelle, avec cette envie de pointer du doigt, bien sûr, tous les problèmes potentiels, les travers, les bons côtés de l'époque dans laquelle il vit, et à partir de ça, il en propose un récit, alors qu'il a pour le coup effectivement beaucoup plus c'est le cas là, touffu tu sens que c'est une œuvre pleine, plus complexe, avec là aussi pléthore de personnages. D'ailleurs, c'est peut-être pour moi l'un des peut-être un peu défauts du manga, c'est que on sort de Poon Poon où tu n'as pas tant de personnages que ça à retenir, alors que sur 4D, faut vraiment. Moi, je me suis repris carrément à ressortir le tome d'avant pour me rafraîchir la mémoire, parce que des fois, c'était peut-être un peu trop complexe. Bon, mais là aussi, parce que tu les lis dans. Oui, je le lisais avec la parution des tomes. Ouais, maintenant que le dernier est sorti, tu peux aussi tout lire d'un coup et. Peut-être que c'est plus. On appréciera encore plus l'œuvre. Et puis aussi cette mise en abîme ou ce regard avec le Isobeyan, ce personnage d'Isobeyan qui est le clin d'œil à Doraemon. Qui est extraordinaire. C'est moi je trouve Isobeyan incroyable. Tu parlais de son envie à l'époque de faire des mangas humoristiques. Ouais. On retrouve complètement ça et en plus de ça, il le fait bien. Je sais pas toi justement comment tu vois Isobeyan, mais limite c'est quelque chose que j'étais plus enclin à lire Isobeyan que 4D. C'est plus facile, tellement léger frais que... Et c'est drôle comment il termine Isobeyan dans le dernier tome. Oui. Voilà, je n'en dis pas plus, mais quel lien ça fait aussi avec l'histoire principale. On se rend compte que finalement, c'est vraiment quelque chose qui fait part entière à l'histoire. Et c'est ça qui est fort Et il maîtrise son sujet. Enfin, il sait où il va. Ou en tout cas, il donne cette impression-là à la fin de... Voilà. Non, mais clairement, il a grandi avec Doraemon, quoi. C'est sûr. Je pense que c'est une œuvre, carrément, pour lui, fondatrice, dont il a tiré, sans doute, des choses que peut-être d'autres lecteurs n'ont pas vues à l'époque, et dont il tire... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que Doraemon, c'est vraiment le... Je dirais que c'est la pièce... la clé de voûte, donc Isobeyan, puisqu'il ne peut pas reproduire, mais tout le monde a compris que c'était Doraemon. Si tu relis avec ça et tu lis bien, en fait, tu vois à quel point, finalement, l'histoire s'articule quand même vachement sur les petits épisodes, les petites aventures d'Isobeyan. Et c'est pas du tout gratuit. oui, clairement. Mais après, bon, tu peux le lire comme ça aussi, c'est pas un problème. Non, c'est très, très pensé, très... Il a pas mal cogité, quoi, là-dessus. Alors, on nous pose une question assez intéressante, et je trouve qu'elle est plutôt cool à poser. Diriez-vous que 4D est le manga le plus accessible de Asano ? Je ne pense pas. On l'a cité dans notre chat déjà, mais effectivement, je pense que Solanine reste une très bonne porte d'entrée pour l'univers de Asano. Mais ensuite, en vrai, même si l'histoire, elle est dure, franchement, Poon Poon... Je pense que c'est clairement le truc qui te permet de rentrer dans l'univers de Asano, quoi. Et en même temps, je ferais pas de... Alors là, on parle effectivement d'entrée dans l'œuvre d'Asano, mais je ferais pas de hiérarchie. C'est-à-dire que pour moi, c'est des œuvres, pour le coup,
4D, c'est quelque chose d'à part. Ouais. Et, mais on pourrait dire ça de pas mal de ses bouquins. Oui, en fait, il fait des choses quand même. C'est ça. Toujours pareil. C'est vraiment un expérimentateur. Il essaie de faire des choses qu'il a jamais faites auparavant. Et avec 4D, je pense qu'il est allé assez loin, quoi. Donc, mais à tel point que, mais tu vas en parler après. 4D, il l'a pas fait dans la continuité. Il y a eu des ruptures. Il a arrêté pendant les moments. Il a fait d'autres. Il a dessiné d'autres histoires parce que qu'il y a un moment de tension, il faut relâcher d'autres... Justement, ça, je me demande si c'est pas aussi dû à l'écriture de Poun Poun, où il s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de moments très durs, et vu qu'il continuait continuellement de faire Poun Poun, là, il s'est dit, maintenant, je vois un petit peu comment ça peut m'affecter ou ce genre de choses-là. Du coup, j'essaie peut-être de calmer un petit peu le jeu de temps à autre. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, tu n'as pas du tout la même énergie quand tu as 30 que 40 et quelques. Tu as aussi le mental qui évolue. On parle d'un mangaka qui se veut ultra humain et mettre un petit peu toutes ces choses-là à l'intérieur. À un moment, on a quand même aussi quelque chose autour du manga où on sent que ça peut être quelque chose qui le touche un peu plus sur certaines histoires. En vrai. Oui, et puis dans quelle mesure, là aussi, il l'a dit à plusieurs reprises, il se pose beaucoup la question, voilà, est-ce que le public est prêt à lire ce que j'ai envie de raconter ? Et souvent, il dit, non, j'ai attendu, parce que le public n'était pas encore prêt. Donc est-ce que ça aussi, c'est intervenu dans 4D, comme tu l'appelles, pour, il s'est dit, tiens, là, j'ai été dans cette direction-là, est-ce qu'il faut que je refasse des réglages, que je réajuste un peu les choses pour y aller ? Et avec aussi toute son envie aussi d'essayer de nouvelles techniques. Là aussi, c'est l'arrivée du logiciel de modélisation 3D où il le disait à Angoulême pendant la masterclass, qu'à un moment, il s'est un peu perdu, où il préférait s'amuser à modéliser des quartiers, des éléments, que de continuer sur le récit. Donc là aussi, peut-être besoin de faire une pause, de prendre du recul par rapport à son œuvre. Pour mieux revenir. Bon, en tout cas, DDD, le dernier volume vient de sortir. C'est le moment de commencer, les petits potes. Puisque maintenant, comme on l'a dit, vous avez tous les tomes. Est-ce que c'est peut-être le moment de faire une vraie relecture pour voir si tu retiens tous les persos? N'hésite pas à nous le dire sur Twitter, bien sûr. Ce ne sera probablement pas après. Tu n'y arriveras pas à retenir tous les persos, c'est impossible. En tout cas, à la première lecture. Ouais, il y en a qui débarquent dans le dernier tome, tu te dis, mais attends, je l'avais complètement zappé, ce personnage-là. C'est indispensable Et en même temps, c'est un côté happy end. Feel good, parce que on est content qu'il revienne. Et puis même, pour le coup, je trouve que quand on y pense, 4D reste quand même une œuvre globalement positive, on peut dire ça comme ça. Donc, moi, j'avoue qu'en tout cas, c'est un vrai kiff 4D. Juste, faut s'y reprendre un petit peu, je pense, de temps en temps pour relire tout ça. Mais c'est clairement un manga à lire. Vous avez le dernier tome, vous pouvez y aller. Et pour le coup, on disait clairement de son temps. Enfin, l'importance des réseaux sociaux, il l'intègre dans son récit et il en joue et il s'amuse avec ça aussi. C'est ça aussi, je pense, qu'on accroche et qu'on se reconnaît dans ses récits. Il arrive, par des petites choses du quotidien, à faire que, je me reconnais là, je sais ce que tu me dis. T'as raison, arrête. Ce qui est fou, c'est que tu le vois direct. Tout de suite, Twitter, les différents forums, ça prend une place dans les 4 premières pages. Vraiment, il te plante le décor, il te le dit. Voilà, c'est bon, ce sera ça, tu vas voir. Tu vas être dans la société actuelle et tu vas voir tous tes travers à toi. il est vraiment très fort. Bon, maintenant passons à une autre série qui a été beaucoup citée dans le chat, évidemment. On va parler de Errance. Errance, Timothée, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que pour le coup, c'est pour moi le troisième titre que j'irai lire en premier de Asano. Oui, alors sans doute son récit le plus autobiographique, où là c'est plus évident de savoir ce qu'il a mis dedans, contrairement à Poun Poun, où là on peut émettre que des hypothèses. Donc c'est portrait d'un mangaka qui a eu un succès et
remise en question, ça va être quoi ma prochaine série, ma prochaine œuvre. Et donc il y a une remise en question par rapport à son travail et dans sa relation amoureuse aussi, où les choses, enfin la crise de la quarantaine, la crise de la page blanche. Et là encore, effectivement, je pense qu'Asano ne s'épargne pas dans le portrait qu'il donne à lire de ce mangaka. C'est pas pour rien qu'il sort après Poun Poun, d'ailleurs, je pense. Bah, il est plus, enfin, il fait ça en même temps que Dead. En même temps que Dead, mais ouais. Il a quand même donc Poun Poun qui est fini, qui est sa première longue série. Ou tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que oui, et qu'elle a série à succès. Quand même un petit peu ce quelque part qu'on retrouve effectivement dans le et avec ce mangaka qui donc voit ses collègues et mais aussi ce rapport aux autres personnes avec qui il a il a fait ses études et on revient à cette histoire du rêve, la passion. Et il dit mais moi j'ai fait le métier dont je rêvais et quel bilan il tire de ça et en regardant aussi les autres parce qu'il voilà, sans tout défleurer à un moment il les retrouve les réunions d'anciens machin et voilà donc c'est c'est un récit très très fort. C'est vraiment je pense que récit fort c'est bien pour le décrire. Toi tu l'as perçu comment Errance Stéphane? Je l'ai pris comme un coup de poing quoi, une claque. Ah ouais carrément. J'ai lu, vraiment j'ai waouh. Bon OK. Justement parce que je sortais un petit peu de ce qu'il avait pu faire auparavant. Mm. J'avais un peu calé sur Poun Poun à l'époque, j'avais pas repris. Bon, je me dis, tiens, voilà, c'est un one-shot. Bon, on se dit, où est-ce qu'il en est, quoi. Et là, waouh, je me dis, d'accord. Donc, il en est très loin, il est très bas, c'est vraiment des profundis, quoi. Et en même temps, c'est une maîtrise, là aussi, narrative. C'est assez génial. Et ce que j'ai, moi, bien apprécié, effectivement, le portrait, on va dire, sans concession, et encore, c'est un euphémisme, de ce qu'il est, de lui, enfin... Bon, c'est pas facile hein, de raconter ça. Ah non, clairement. Et en plus au Japon, et en plus dans le milieu des mangas, parce qu'il n'épargne pas non plus le milieu des mangas, et je pense pas. Je crois qu'à l'époque, il y a des gens qui se sont plaints, des collègues, ou sur des forums, de ce qu'il a fait, cette œuvre-là, parce que, justement, il cassait un peu l'image mirifique et formidable du monde du manga. Voilà, donc c'est... Mais bon, voilà, lui, je pense que ça lui a pas attiré avec des sympathies, mais... Probablement pas. C'est pas son problème. Mais voilà, il devait faire. Il fallait que ça sorte. C'est une catharsis, hein, ce bouquin. Il fallait. C'est une façon de. Bah oui. Allez, on va tout mettre sur la table et puis après ça ira un peu mieux, quoi. On espère. Donc, on nous pose la question. Mais la fin. Pardon. Excuse-moi. Vas-y. La fin est terrible. Je crois que c'est une des fins les plus violentes que j'ai jamais lues, quoi. Avec la fan qui vient le voir. Enfin bref, mais c'est wow. Non mais c'est bien, tu donnes juste l'élément pour ceux qui l'ont lu, de comprendre ce que... C'est parfait. Donc voilà, vous pouvez voir évidemment des planches hein, de Errance sur vos écrans. Clairement, Errance, pour moi, c'est mon one-shot préféré de l'auteur. Il n'y a pas de débat, je suis... En fait, j'ai tellement été happé par le récit, et surtout, j'ai toujours été le petit gamin, tu sais... très curieux de voir le monde du manga de l'autre côté. Donc, typiquement, tout ce qui est Bakuman, Reimp ou ce genre de choses-là, ça m'a toujours passionné. Bon, quand j'ai lu Errance, C'est pas Bakuman, ça. C'est pas Bakuman du tout. Hein. On est clairement pas là-dessus. Non, mais c'est aussi ça, la création. Ces auteurs, ils sont, quand t'es tout seul face à ta page, tu te poses effectivement un milliard de questions. Il y a plein de choses qui arrivent. Et, tu vois, c'est... C'est pas un métier facile. C'est un truc qui m'arrive quand même très fréquemment avec Asano. Hein. C'est vraiment, t'es tout seul devant ta page et tu fais « Ah !» C'est très souvent. On va pas se mentir avec cet auteur. Il t'en met un petit peu plein la tronche quand même. Et graphiquement, encore une fois, là aussi... Errance, pour moi, c'est... Il y a encore une évolution. Il continue de travailler son métier. Enfin, il est pas là à se reposer sur ses lauriers. Ça y est, je sais faire ça, je continue là-dessus. Non, voilà. C'est quoi la prochaine étape dans mon travail? Il cherche. Il cherche. C'est surtout qu'en plus... Il expérimente, il tâtonne, et il essaie, quoi. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on sort de Poun Poun, qui a été un manga quand même avec son personnage principal, ses trois traits de crayon. T'arrives avec Errance... Tu le vois tout de suite, l'évolution, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez juste cette petite page-là,
Mais ce dessin, il est extraordinaire. Enfin, l'ombre, la façon dont c'est fait. Tu sens vraiment que Errance, pour moi, il y a encore un step-up visuel. Et d'ailleurs, juste pour ce step-up visuel, je vous invite vraiment à aller lire Errance et à vous prendre des... Bah, au-delà des baffes morales et sentimentales que tu vas te prendre, tu te manges quand même voilà, des doubles pages comme ça, qui sont à couper ouais. Le souffle, on va pas se mentir. Donc, vous avez clairement de quoi manger avec Errance. On va passer à une autre anthologie, puisque en 2020, aux éditions Cana, sort l'anthologie, et donc du coup, une réédition d'un monde formidable. Je ne sais, tu as lu un petit peu cette anthologie-là, ou pas du tout, Stéphane ? Écoute, je pense avoir à peu près tout lu de ce qui est sorti, mais je t'avoue que là, je ne l'ai pas relu, et... Voilà, attends, c'est... Ah non, mais c'est celle-là, c'est pas c'est un monde formidable. Oui, c'est la dernière, celle-là. Non, il ouais. y a l'anthologie et, à ce moment-là, la réédition du... Ouais. D'accord, ah, non, mais l'anthologie, non, pardon, excuse-moi, je t'avais pas compris. Oui, c'est... Excuse-moi, c'est ma faute. Ça, c'est... Enfin, il y a des nouvelles là-dedans extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, mais je pèse mes mots, quoi. La nouvelle sur les vieux, la Tempest, c'est incroyable. C'est sur ce qu'on appelle le phénomène des rogai. C'est fait chic, mais enfin, c'est comme ça qu'on dit au Japon. C'est-à-dire, les vieux... C'est difficile à traduire, mais c'est les vieux chieurs, les vieux emmerdeurs, en gros. Et donc, il y a tout un phénomène qui s'est développé ces dernières années parce que bah, les gens au Japon vivent très longtemps et que tu te retrouves... Bah, t'as ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Il y a une foire c'est un truc qui arrive assez souvent, et c'est très compliqué socialement à assumer parce que ça a un coût. C'est la crise économique. Enfin, c'est pas formidable, donc tu dois... t'occuper de ton de tes parents, mais de tes grands-parents aussi. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à la retraite. Ton arrière-grand-père. Enfin bref. Donc, il y a un vrai souci avec ça, parce qu'en plus, l'État ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc, c'est développé une sorte d'animosité dans l'opinion envers certains vieux. Quoi. Et en fait, il s'est ému, il a chopé ça très tôt, et il en a tiré une nouvelle d'anticipation, j'espère. Non, mais c'est un peu soleil vert, hein. On n'est pas loin, mais de SF, en tous les cas, qui décrit une petite dystopie sympa, qui décrit ce qu'on va faire des vieux... Petite dystopie sympa, ce qui pourrait arriver aux gens d'un certain âge, c'est-à-dire que... juste pour donner une petite clé, passé 85 ans, donc le gouvernement japonais a voté des lois, passé 85 ans, tu passes un examen de citoyenneté, et si tu l'as pas, c'est embêtant. Ah voilà. Alors on va dire ça comme ça. Bonne ambiance, en tout cas. Tempest... Donc Tempest, vraiment à lire, quoi. Ah bah oui, ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. L'achat du recueil ne peut se valoir juste avec Tempest. Il va sur des sujets de société, Mais là, il est plus incisif. Dans le côté pointé du doigt, les choses qui... Là, est-ce qu'il n'est pas un peu plus incisif, quand même, à travers, justement, son anthologie ? Je pense que c'est... Il faut voir à quelle époque. C'est 2015, de mémoire, hein, je crois. Je ne sais. Alors, est-ce qu'on peut... Apparemment... Il te le met à la fin. Mais de toute façon, déjà, la représentation du corps des personnes âgées... 2018 de manière aussi crue. 2018. Tu croises pas ça souvent dans la bande dessinée au sens large. Hein. Ah bah non, sinon ça c'est clair. Et surtout sur les vieux. Tu vois, c'est un sujet qui a été traité par les mangakas. Otomo avait fait un film aussi d'animation. Voilà, là vous la lisez. Qui ont plus de 85 ans ne sont plus considérés comme étant des. Ah bah. Des humains. Merci à la régie, c'est exceptionnel. On est en train d'être professionnel ici, moi je vous le dis. Ça régale, finalement, est-ce que j'ai besoin de travailler Bon, en tout cas, clairement, une anthologie qui toi, t'as mis d'accord. Ah, mais oui, un peu, bon, ça, c'est sans doute, cette nouvelle-là m'a frappé, mais il y en a d'autres qui sont assez magnifiques. Et surtout, non, ce qui est étonnant dans cette nouvelle, et qui fait écho un peu à ce qu'on trouve aussi dans 4D, c'est qu'il écrit ça, donc il a 38 ans, hein, en 2018, hein, puisqu'il est né en 80. Et on sent, pareil, que ces centres d'intérêt ont évolué, qu'ils se posent des questions politiques, maintenant, vraiment. Il y a ça aussi, il y a un fond, il y a un arrière-plan politique dans 4D, qu'on retrouve dans certaines de ces nouvelles, mais pas que. Hein. Bon, voilà. Donc c'est un homme en progrès permanent, quoi. À suivre. Ce qu'on peut retrouver aussi en fil conducteur, c'est toujours ce poids de la société, du regard de la société sur les uns les autres et comment ça nous conditionne ou pas. Et c'est là qu'on se rend compte que la société japonaise, c'est quand même une société
tellement compliqué, qui a quand même vraiment des problèmes très ancrés dans leur histoire à eux, quoi. Moi, je trouve que c'est ça aussi qu'on voit à travers Asano, tu vois, c'est... Parce qu'on est aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'idéalisation de la société japonaise ou de ce genre de choses-là, et je trouve que c'est très bien d'avoir des auteurs comme Asano qui arrivent justement à dépeindre celle-ci et à faire comprendre que c'est pas parce que ici t'as l'impression que c'est moins bien que là-bas c'est vraiment aussi bien que ça. Et je trouve que c'est à travers ce genre d'œuvre-là qu'on peut le comprendre, en tout cas à travers les œuvres d'Asano, on peut le voir. Mais et ça nous pose des questions à nous aussi par rapport à notre propre société. Il n'y a pas bien que. Sûr, bien sûr, non, mais ça c'est sûr. C'est là, enfin, notre rapport à la vieillesse et tout ça, là, pour le coup, on n'a pas plus trouvé de solution qu'eux. Non, mais le Japon est intéressant pour ça aussi, parce que c'est un laboratoire par rapport à un phénomène de beaucoup de, comment dire, de populations très âgées. Qu'on va retrouver assez vite dans d'autres pays occidentaux. Voilà, donc simplement, eux, ils sont un petit peu en avance là-dessus, et on voit qu'ils ne savent pas du tout gérer. C'est énorme, mais gérons-nous mieux, pas sûr. Hein. C'est super rassurant. Vous inquiétez pas, la vie, c'est comme ça. On va passer à la dernière... C'est ça aussi qui est génial avec le manga, c'est qu'au travers de la bande dessinée, des récits dessinés et du texte, on arrive à aborder ces sujets-là, à nous poser des questions, et c'est le kiff total, manga pour ça. Le moment aussi où t'arrives à te prendre le crâne avec un manga, c'est quand même que t'es face à un sacré bouquin. Pas tout le temps, mais c'est bien de temps en temps. Quoi. Non, pas tout le temps. Encore une fois, ça dépend ce que toi tu recherches, effectivement, dans la lecture. Si tu permets, parce que là, en parlant de cette anthologie, on a juste parlé d'une nouvelle qui est formidable. C'est vrai, mais il y en a d'autres. Il y en a un petit peu plus détendu, hein, parce qu'il ne faut pas penser que Asano porte le malheur du monde sur ses épaules. Bien sûr. Non, mais il y a vraiment des Il a un bon fond. Tu l'as très bien dit. Il a quelque chose de bien, finalement. Mais t'as un truc très rigolo qui s'appelle Un homme doux dans la tête d'une fille douce. En fait, c'est trois fois la même histoire racontée avec les mêmes planches, les mêmes bulles, simplement avec des commentaires différents selon ce que pense la fille, selon ce que pense le type. Et ça, c'est assez génial. C'est vraiment un exercice de style très drôle, et très marrant, très concis. Donc voilà, il sait faire ça aussi. Il y a aussi des moments un peu de légèreté quand même. On vous rassure, des fois ça existe. Tu peux kiffer ton moment avec Asano. Bon, parlons maintenant de la dernière série en date, puisqu'il s'agit de Niji Gaara Holograph. Et là, pour le coup, je vais te demander, Timothée, de nous expliquer, parce que là, pour le coup, je n'ai absolument pas lu. Je ne sais pas du tout. Écoute, c'est un titre, c'est une réédition, parce que c'était déjà paru préalablement chez nos confrères de Panini, sous le titre « Le chant de l'arc-en-ciel ». Et voilà, c'était un titre qui nous avait échappé. On s'est dit, on va continuer d'essayer de récupérer Asano chez Kana. Et donc on a réédité ce titre-là, où là aussi, il y a un côté exercice de style, où on va suivre... comment le résumer, celui-là? C'est pas évident. T'as un groupe d'enfants... Je suis désolé, je te mets dans la sauce, T'as un groupe d'enfants à l'école, et il va se passer un drame, et on retrouve ces enfants... adultes des années plus tard. Et on va découvrir, du coup, ce qui a pu se passer quand ils étaient enfants. Voilà. Et là aussi, encore une fois, portrait ou chronique du Japon, de ce poids du groupe, de la société japonaise, quoi. Avec un petit arrière-plan fantastique, aussi. Oui, avec des papillons qui arrivent de plus en plus présents. En tout cas, c'est joli. Hein. Les planches qu'on voit, elles sont vraiment très très sympas pour le coup. C'est une œuvre, Timothée, je crois que c'est une œuvre de jeunesse. Enfin, il a fait ça. C'était. Alors, peut-être l'avoir sur le. Quand même. 2006 au Japon. Ouais. Donc, 2006, ok. Et tu le vois sur le dessin. Quoi. Pourtant, c'est marrant. Mais alors, justement, j'allais dire, le dessin est quand même un peu plus poussé que ce qu'on voyait sur les œuvres précédentes, typiquement dans Solanine. On est encore sur un peu son ancien dessin. Là, je trouve qu'on avance déjà un peu plus. Non, c'est vrai. Mais si tu compares, tu vois, ça se passe dans un lycée, il y a beaucoup de lycéens, il y a beaucoup de scènes comme ça. Si tu compares aux mêmes scènes de lycée qu'il fait pour Bonne Nuit, Poum Poum, c'est pas le jour et la nuit, mais enfin, c'est... Non, mais tu as quand même vraiment un écart assez grand. Ouais, je suis d'accord.
Alors justement, tu as parlé... Aussi, de... les enfants ne sont pas, les collégiens ne sont pas tendres les uns avec les autres. Ça, ils n'oublient pas de nous le rappeler. Les enfants n'ont jamais été tendres entre eux, ça il ne faut pas l'oublier. Question, parce que tu as abordé le sujet, mais précédemment donc, c'était chez Panini, mais comment ça se passe du coup un changement de maison d'édition? Écoute, c'est au bout d'un moment, on se rend compte que un titre n'est plus commercialisé sur le marché francophone. Donc, on retourne vers l'ayant droit, les éditeurs japonais, pour demander voilà, est-ce que ce titre, les droits sont de nouveau disponibles? Et s'ils nous disent oui, on peut de nouveau faire une offre et les acquérir. Très bien. Aussi simplement que ça. Après, se pose des questions, la traduction, est-ce qu'on reprend... Est-ce que tu reprends une trad et tout machin, ou est-ce qu'on veut la revoir, ce genre de choses. Parce que vous l'avez quand même ressorti, donc du coup, dans un autre format, plus grand. Il y a quand même eu un vrai travail, en tout cas, sur cette réédition. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir comment vous l'avez positionné. Mais du coup, la motivation, c'était quoi? C'est de se dire... On récupère tout ce que fait Asano, ou c'est parce que le récit est vraiment intéressant pour vous? Les deux, le récit est intéressant, et c'est continuer de donner au public l'opportunité de continuer de découvrir les œuvres d'un auteur, d'un artiste. Enfin, on parle depuis le début de cette soirée d'Asano, et on voit son évolution, on voit que ce soit au niveau du trait, au niveau de la narration, des thématiques, on voit une évolution et des continuité. Et donc, ça nous semble important, à nous, d'avoir tous ces maillons pour que le lecteur puisse comprendre et suivre l'évolution d'un artiste. Donc voilà. Alors, merci en tout cas, parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a un vrai travail sur ce genre de choses-là. On ne reprend pas... là, typiquement, tu l'as dit, la traduction d'avant, généralement, c'est une retraduction, donc ça prend beaucoup de temps, encore une fois, une charte graphique différente, ce genre de choses-là. Donc, je trouve que c'était assez intéressant d'amener le sujet sur ça, puisque vous l'avez tout fraîchement sorti, puisqu'il est sorti en 2021, hein, pour ceux qui sont curieux de savoir quand est-ce que c'est arrivé. On va pouvoir passer à un moment qu'on attend depuis pas mal de temps maintenant, mais on va prendre le temps de discuter aussi un petit peu de vous, vos coups de cœur, des planches qui vous ont marqué, et surtout de vous faire gagner un Shikishi. Puisque on le rappelle, hop là, merci. Vous avez la possibilité de gagner ce Shikishi incroyable de Monsieur Asano. Alors évidemment, ce n'est pas l'original. Hein, faut peut-être pas abuser, parce que si on vous en fait gagner 10, vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué. Mais vous pouvez le récupérer. Dans le chat, vous allez avoir à écrire. Vous allez simplement avoir à écrire le. Vous allez devoir, pardon, que ce machin, je suis un petit peu fatigué. Vous allez devoir écrire le mot Tokyo pour pouvoir le remporter, et 10 personnes seront sélectionnées pour recevoir ce magnifique Shikishi chez vous. Et ouais. Donc voilà, c'est parti. Vous pouvez y aller. Le truc va être envoyé dans le chat. Vous allez pouvoir vous régaler dans quelques instants, et évidemment, le compte Édition Kana vous enverra un message privé. Bon, maintenant, on va passer un petit peu à nos planches. On en a sélectionné donc une planche chacun. Et c'est toi, Stéphane, qui va ouvrir le bal. Donc, je te laisse nous présenter. Allons-y. Cette magnifique planche que tu nous as sélectionnée. Ah, donc Bonnie Poumpoun. Non. C'est pas celle de Stéphane, c'est la mienne. Bah vas-y. Hein. Bah écoute, on peut faire Timothée. Alors, non, très bien, mettons Timothée, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Tchac. Et moi, j'ai triché. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas réussi à isoler une planche. Ouais. Mais c'était vraiment cette séquence où Poumpoun a donné rendez-vous à son amoureuse pour quelque part la sauver ou jouer le preux chevalier. Et il va pas tenir sa promesse. Elle découvre qu'il n'arrive pas au rendez-vous, et lui, il est à ce moment-là dans une voiture, et il passe devant. Ouais. Devant, et Asano fait trembler la silhouette de Poumpoun, et on est dans ce sentiment, la honte, t'es pas fier de toi, tout ça. Et voilà, là, c'est ça qui m'a vraiment marqué, et les larmes du personnage, cette planche, elle est... Ça jusque-là. Surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui va profondément impacter l'œuvre.
c'est... Et... Oui, bah du coup, oui, mais vu que c'est Bonne Nuit Poun Poun, je dis l'œuvre, comme ça au moins. Mais c'est quelque chose qui va vraiment le marquer et qui va... En fait, c'est... pour moi, c'est même un peu à ce moment-là que le manga part vraiment et que tu as vraiment ce... cette fusée d'émotions qui, mmh. qui va se lancer. Et alors, tu as évidemment des choses avant ce tome-là, mais ce point-là, tu sens que c'est quand même la clé de voûte où, à ce moment-là, tout va basculer et que ça va vraiment aller... C'est dans le tome 2. Oui, c'est ça, c'est dans le tome 2, tout à fait. Donc c'est vraiment un moment assez, assez marquant. En tout cas, la planche est vraiment très sympa. On va passer à Stéphane maintenant, qui va nous dévoiler sa planche. En espérant que ce soit aussi Poun Poun, bien sûr. Ce ne sera pas Poun Poun, mais... Ah. Ça aurait pu, mais on aurait fait que du Poun Poun. Mais donc, oui, c'est ça. Voilà. Alors, ouais, ok. Ah, donc toi, c'est carrément une double page. Ah, c'est une double, oui, bah, c'est mieux. oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que comme ça, moi, il y a 6 planches. Tu as raison. Ah, pour moi, une planche, si tu veux, c'est un ensemble. Non, c'est mais bon, tu... une case, quoi. Mais tu, voilà, tu es donc très du fort, coup, voilà, planche. Non, en plus, c'est la séquence qui est intéressante. C'est dans 4D. Mmh. Et en fait, ça doit être dans le volume 5. Et à la fois, on voit l'art d'Asano, c'est-à-dire que comment il compose des images, comment il les fait doucement évoluer, comment le cadrage change, comment tout ce qui est derrière commence à bouger à fond. Et en même temps, dans la narration, ça ne se fait pas par hasard, ils n'ont pas pris des champignons hallucinogènes, ils sont juste en train d'utiliser une technique extraterrestre. Alors je fais un peu de spoil, mais ça va, c'est pas très grave, hein, par rapport à... Non, tu peux, de toute façon tu peux, en vrai, voilà. Pour ce genre d'explication. Et donc les deux personnages sont des personnages principaux, donc le garçon c'est Oba, et la fille c'est Oran, qui est carrément une des deux grandes héroïnes. Des deux héroïnes, carrément. Et Oba découvre à ce moment-là ce qu'il y a dans la tête d'Oran, et il comprend tout, et en fait c'est vraiment un gros twist. Ouais. Parce que, voilà... elle n'est pas tout à fait ce qu'elle a l'air d'être. Voilà. J'aurais pas plus. C'est très bien dit. En tout cas, c'est vrai que l'image est très, très intéressante là-dessus. L'image est dingue. Et il y a ça aussi. Alors, ce n'est pas de la 3D, mais tu en as parlé un petit peu, Timothée. En fait, Asano est super branché 3D. Et surtout, au-delà, travail de l'image, comment on peut aller plus loin dans l'image du manga. Parce qu'en fait, il considère même que l'animation, c'est sympa, mais que ça a tendance à trop mettre le manga comme une sorte de support de base. Et ce qui n'est pas complètement faux. Et que donc, son but, lui, et j'ai entendu le même discours, c'était Vera Savoie qui disait ça aussi, c'est d'arriver à faire des mangas qui soient aussi forts que des films. Ouais. Et il travaille, quand on voit une image de dingue, là, comme, et la double qui est derrière est encore plus dingue. Ah, elle est... Mais comme la dernière en bas à gauche... C'est complètement fou. Hein. On sent qu'il a le souci du détail, tu vois. Tu es clairement là-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui peut-être un peu trop tendance effectivement à juste prendre le manga en mode support de base, et après, on met énormément en avant typiquement tout ce qui est animé, et que c'est ça qui prend la lumière. Alors que bon, à la base, ça vient quand même d'un manga, et que c'est important de rendre à César ce qui est à César. Donc, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que Asano, à travers tout ce qu'on a vu là, sur l'émission et sur l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, on a quand même vraiment la preuve qu'on a un virtuose qui est capable de nous mettre des coups de poing sur des planches qui ne bougent pas. Mmh. Tu sens quand même que c'est des œuvres qui sont vivantes. Il y a toujours quelque chose qui va te faire ressentir ça. Toi, je ne sais pas comment... Tu vois aussi ce genre de choses-là, Timothée, mais je pense que tu es plutôt d'accord avec ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Bah, je suis à 100% d'accord avec vous. Bah nickel. Bon, c'est parti, la séquence est validée, mais c'est là. Non, mais en vrai, c'était intéressant et je voulais juste qu'on revienne un petit peu dessus. Et moi, je vais vous présenter, évidemment, ma planche à moi. Je vais pas vous mentir, j'ai ouvert Poun Poun pour la première fois, je suis tombé sur cette planche-là et j'ai juste halluciné. Parce que c'est là que tu vois quand même que Asano a la capacité de faire des traits ultra grossiers, mais à côté des traits ultra recherchés, très fins, un décor somptueux. Vraiment, quand j'ai vu cette case-là, j'ai juste halluciné quoi, sur la technicité du bonhomme. Et je vais pas vous mentir, c'est clairement pour moi l'une de mes préférées. Et je prends ce moment-là parce que pour moi, dans Poun Poun, il est important. Et comme on l'a dit, il y a quand même des moments de joie, des moments d'émerveillement.
Et typiquement, cette planche-là en fait partie. Et c'est quelque chose qui va quand même marquer Poon Poon. On sait que le rapport avec les étoiles va être quelque chose d'intéressant pour lui, qu'on va développer durant le manga. Mais voilà, c'est peut-être un peu classique comme choix, mais je la trouve vraiment ultra importante. Et ça montre vraiment que voilà, Asano est capable de nous faire ressentir des choses qui sont cool et pas forcément des reflets un petit peu compliqués d'une société. Quoi. Ces petits riens qui font que ça permet de continuer. Qui permettent de continuer ton œuvre, clairement. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Bon, en tout cas, le chat a l'air assez content des choix des planches. Tout le monde les trouve. En tout cas, tout le monde approuve les trois choix, donc ça fait bien plaisir, clairement. Bon, messieurs, dames, on va pouvoir évidemment vous. On va clôturer hein, ce très cher concours normalement. Mais avant ça, on a donc du coup eu un petit sondage visiblement de la part de Kana qui vont nous dire tout simplement quelle est la série préférée des Français autour de Asano. Donc est-ce qu'on peut envoyer le petit magnéto? Il n'y a pas de magnéto? C'est une image. Ah, c'est une image, pardon. Ah, pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu sur le retour, excusez-moi. Donc là, bon, bah voilà, classique. Bonne nuit, Poon Poon en premier, ça me semble plutôt normal. C'est clairement ce qui a montré l'explosion de Asano. Ensuite, on se retrouve avec Solanin. On en a beaucoup parlé et c'est quelque chose qui a vraiment marqué sur le long terme. Et en 3, 4D, moi, ça me semble être un top 3 pour le coup, plutôt représentatif de Asano en France aujourd'hui. Toi, ouais. José, tu vois quoi dans ce top, Timothée? Non, tu parlais d'errance et on parlait de la claque et de la force de ce titre-là. Bon, je vois qu'il est quatrième aussi. Peut-être un peu. Moi, je suis peut-être un peu surpris de voir Dead Demons, Dead Destruction si haut. Ouais, ok. Parce qu'effectivement, pas forcément le plus abordable. Donc c'est chouette quoi, de voir que les fans suivent. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui ont découvert Asano avec 4D1. Ça, faut pas l'oublier. Et que du coup, tu sais, il y a quand même généralement cette appartenance de truc de se dire c'est la première série que j'ai lue et généralement c'est celle que tu préfères. Toi, tu le vois comment un petit peu ce classement, Stéphane? C'est assez amusant. Moi, ce qui m'étonne, mais ça m'étonne qu'à moitié, c'est que Solanin soit numéro 2. Mm-hmm. Parce que c'est une œuvre finalement un peu de jeunesse quoi. Mais je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il touche juste parce que ce qu'il dit du couple et des jeunes couples, je pense que c'est pas trop démodé, quoi. C'est toujours aussi pertinent des choix que tu dois faire, des joies entre guillemets du quotidien. Et de la vie professionnelle, enfin bon, je pense que du coup, beaucoup de gens s'y reconnaissent encore. Donc il va y avoir un très bon bouche à oreille autour de lui. Voilà. Clairement, je pense que Solanin, oui, c'est clairement ça qui l'a propulsé. Mais j'ai l'impression que vraiment, c'est l'arme de Asano, hein, le bouche à oreille finalement. C'est quelque chose qui revient quand même beaucoup hein, dans ce qu'on dit depuis le début. C'est vraiment je pense que c'est aussi ce côté coup de poing que tu vas avoir à travers les œuvres qui vont justement tellement marquer les gens que quand ils vont en parler, tu sens que ça les a marqués et ils vont donner envie directement aux gens de découvrir l'œuvre de Asano. Quoi. Et puis, on en a un petit peu parlé, mais en fait, lui, contrairement à pas mal d'autres mangas qui fonctionnent bien sur le marché français et ailleurs, mm-hmm. il n'a pas pu bénéficier d'animé. C'est vrai, pas encore. Pas encore. Donc du coup, effectivement, ça ne peut que passer que par la lecture et le bouche-à-oreille. En tout cas, vivement l'arrivée de 4D du coup en animé. Hein. J'avoue que je suis très curieux comment ils vont animer ça. Surtout qu'on connaît, donc du coup, on en a parlé, hein, mais de l'amour que Asano a pour la 3D. Il y avait eu un petit... Oui, mais c'était très court. Oui, très court, mais que je trouvais intéressant. Quoi, moi, je trouvais assez cool, mais... Ah oui, c'était quelques secondes, quoi. Non, il faut envoyer le premier trailer, tu vois ce que je veux dire. On a également demandé sur les réseaux sociaux de Kana quelles étaient les raisons de pourquoi ils sont fans de Asano, évidemment. On a donc du coup 5 commentaires qui vont s'afficher.
On a en premier les dessins et les thèmes abordés, le look du mangaka, bon, c'est à votre convenance, bien sûr. Bon, les thèmes, bon, ça me paraît évident. Le dessin, ça me paraît aussi quelque chose qui nous fait accrocher. Je pense qu'on est totalement d'accord avec ce commentaire, c'est plutôt normal. On peut passer au deuxième. Qu'est-ce qu'on a comme autre commentaire? Il arrive à capter les émotions et nous les faire ressentir, tout est fort et vrai. Par contre, il ne fait aucun cadeau à ses lecteurs, il montre l'âme humaine dans ce qu'il y a de plus beau et de plus moche. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit, on est clairement sur quelque chose qui nous fait vibrer, hein, finalement. Il ne prend pas ses lecteurs pour des idiots. On peut le dire, hein, c'est vraiment le cas. Mais c'est ça qu'on apprécie aussi, quoi. Ben, finalement... dans cette discussion un peu d'humain à humain. Clairement. Non, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que vraiment, comme on l'a dit, c'est un marché qui est dominé par le shonen. Et en tant que lecteur, à un moment, je pense qu'on arrive un peu à saturation de ce genre de choses-là. On vieillit, bien sûr. Donc du coup, il y a forcément des nouvelles thématiques qui vont nous intéresser. Mais bon, moi, je suis encore très fan de shonen, j'en consomme encore énormément, mais... Typiquement, réussir à avoir des petites œuvres comme ça où on peut se poser, discuter un petit peu et surtout voir des émotions qui peuvent être vraiment dures à ce point-là, moi je trouve que c'est quand même vraiment un point vraiment ultra central et important. Et c'est pour ça qu'on fait un petit peu aussi ces émissions-là, c'est pour mettre en avant l'œuvre de Asano, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent tout ça parce que c'est ultra important. Et je sais que, en vrai, tout ce que vous faites aussi au niveau des journaux ou de ce genre de choses-là, justement pour parler de ce genre de série, c'est aussi important hein, de propager un petit peu la bonne parole, hein, de toute façon, clairement. On passe au troisième commentaire. Allez. Troisième commentaire, messieurs, dames. La poésie décalée qu'on retrouve dans ces histoires. Ah, non, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voyez comme poésie décalée? Parce que c'est pas facile, hein. Je trouve qu'il n'y a pas non plus tant de poésie décalée dans ce qu'il fait, mais... C'est pas ce qui saute aux yeux en premier, mais de fait, oui, pourquoi pas, quoi. Ça peut être... Non, c'est vrai qu'il y a des cases où il va s'arrêter, c'est assez japonais en même temps, sur un paysage ou sur une feuille ou... Voilà, alors je ne sais pas si c'est ce que l'entend par poésie décalée, mais bon, voilà, il peut se passer quelque chose de grave, et à un moment donné, la caméra élargit un peu son champ, va ailleurs, et ça, voilà. Mais c'est peut-être autre chose. Hein. C'est ces petits riens qui font que, voilà, malgré tout, dans ta journée qui peut être triste ou à chier, ce petit truc, ah ouais, non, ça valait quand même le coup. Juste pour ça valait le coup de se lever, quoi, ce matin. Ouais, je vois ce que tu veux dire, clairement. Tu veux rajouter quelque chose? Non, j'allais dire qu'il y a un côté décalé aussi, mais qui avec lui, et ça peut être une dragée au poivre aussi. C'est-à-dire que je pense à 4D, à un moment donné, il y a de très jolies bulles, comme des bulles de savon qui descendent sur la ville. Ouais. Malheureusement, il vaut mieux pas les toucher. Oui, effectivement. C'est très poétique. C'est pas complètement faux, effectivement. Comme quoi, la beauté tue. On va passer au quatrième commentaire. Qu'est-ce qu'on a? Cette histoire m'a profondément touché. Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations qu'a vécu Poun Poun. Ses difficultés à communiquer, ainsi que de nombreuses introspections. Un chef-d'œuvre est l'un de mes mangas préférés. Merci, Inyo Asano. Bon, que dire de plus? Parce que, effectivement, Poun Poun, c'est quelque chose dans lequel on peut, nous, tous, se retrouver, de par le fait qu'on passe par l'enfance, l'adolescence, et le fait d'être adulte dans cette société, trouver cette place dans cette société. Je pense que, autour de la table, même si... on n'est pas à ce degré-là de malheur ou ce genre de choses-là, on l'a tous plus ou moins ressenti quand même à un moment, quoi. Donc... Ouais, non, puis c'est cette capacité qu'il a à faire qu'effectivement, on se reconnaît dans ces histoires, dans ces personnages. Il y a toujours quelque chose où on dit, oui, ok. Ouais, non, je suis clairement d'accord là-dessus. On passe au cinquième, avant de se clôturer ce magnifique live. Inyo Asano, c'est le refus de la banalité, la noirceur de nos âmes qui ressort sur papier. Bah, en plus, on a ce très cher monsieur dans le chat, en plus, je viens de tilter. C'est le mal-être que nous pouvons tous ressentir, c'est des dessins d'une qualité incroyable et d'une capacité digne à pondre des récits dans lesquels on peut aisément s'identifier. Encore une fois, le mot « s'identifier » qui revient. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'il dit avec le refus de la banalité. On sent effectivement ce côté chez lui de toujours vouloir plus ou moins casser une routine, quelque chose qui nous sort du quotidien. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, le côté position de résistant, un peu par rapport à ce poids de la société qui peut effectivement écraser. Voilà,
Je me pose des questions et je vous les pose à mon tour pour qu'on essaye de ne voilà, pas se laisser embarquer. De résoudre le truc ensemble. Être aux aguets. Mais c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis des mangaka et autres, de vivre de sa passion, de ce genre de choses. Moi, je pense que c'est ça aussi, ce genre de position un petit peu de résistant qu'il peut avoir. Parce que déjà, de part, son statut qui est mangaka, pour moi, c'est pas quelque chose qui est commun non plus dans la société japonaise. C'est quelque chose qui aujourd'hui est marginalisé et qu'on connaît tous, mais il y a quand même ce côté de se dire, attends, lui, il arrive quand même à vivre de sa passion à travers ses œuvres qu'il dessine et qu'il écrit. Pour moi, c'est quand même une position un petit peu particulière, comme d'ailleurs tout métier artistique aujourd'hui, hein, je trouve en tout cas. Stéphane, peut-être ? Écoute, non, effectivement, le refus de la banalité, oui. En fait, ça fait partie, je me disais, de ces artistes, il y a aussi des cinéastes, des musiciens, mais dont on attend toujours le prochain, parce que, justement, on sait qu'on va être surpris, parfois déstabilisé, mais voilà, en même temps, c'est aussi ce qu'on attend, je trouve, d'une création artistique. Si c'est juste pour, comment dire, lire la suite ou écouter la suite de ce qui a déjà été fait, bon, bah, c'est sympa, mais on s'en lasse vite, quoi, au bout d'un moment. Donc, avec lui, au moins, ça, c'est formidable. Je vois vraiment une sorte de work in progress, ce type. Ouais, progresse clairement. Tout le temps et depuis 20 ans, quoi. Donc, je ne sais pas jusqu'où il va aller. On lui souhaite, on lui souhaite d'aller très loin, en tous les cas. Ouais. Non, la difficulté de prononciation, c'est pas du tout ça, hein, c'est juste que je suis un peu fatigué et que j'ai lu Digne dans ma tête. Faut pas. Quasiment 2 heures d'émission, les gars, faut pas trop non plus chercher plus loin, hein, je vous rassure, je sais lire le mot dingue, je te rassure. Conrad, y a pas de souci. en tout cas, messieurs, on va se laisser là après ces commentaires, puisque nous arrivons à la fin de ce live. Je te remercie chaleureusement, Stéphane. C'était super intéressant de voir comment tu vois tout cela. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour toutes tes analyses et pour cette planche que tu as choisie qui était très juste pour le coup. Merci. Bah, merci à toi. J'espère te recroiser un de ces quatre c'était vraiment très intéressant. Avec plaisir. Et puis, merci beaucoup, Timothée, également, d'avoir pris le temps de discuter de tout ça. Je crois que tu as peut-être un petit truc à nous dire, Timothée. Mais écoutez, en tout cas, merci pour ce moment d'échange autour d'Asano. Évidemment, chez Kana, on va pas le lâcher. On va continuer. On s'en est douté, voilà. Je te rassure. Donc là, il démarre une nouvelle série. Donc on va suivre ça de très très près. Et puis, on a déjà commencé un peu à discuter avec la maison d'édition Shogakukan, qui édite Asano, pour réfléchir sur la possibilité de sortir le hardbook CTRL plus 2. Voilà, ça prend du temps parce que ce sont des bouquins où là, on sait le niveau d'exigence d'Asano et au niveau fabrication, ce ne sont pas les plus simples à fabriquer. On veut être le plus proche de la version japonaise. Et dans le contexte actuel de papier, tout ça, voilà, ça prend un peu de temps, mais en tout cas, on y travaille et on espère bien débarquer avec ça. As soon as possible. Bon, moi, je me fais pas trop de soucis. On a déjà les artbooks de Naruto qui sont d'une qualité, je trouve, très solide. En tout cas, j'ai clairement hâte de voir comment cet artbook va sortir chez nous. En tout cas, le chat est en feu. Tout le monde est en mode, prenez mon argent. ça ne m'étonne pas. on attendait ce genre de message. Puisqu'on nous le dit carrément, j'ai la version originale, je le rachèterai. C'est bien, continuez comme ça. Vous êtes parfait dans le chat. On aime ce genre de choses-là. Bref, on va se laisser là. On se laisse, par contre, sur une très jolie note, puisque nous avons le live drawing du Shikishi que vous voyez juste ici. On se laisse sur ces belles images par le maître Asano. On se retrouve pour une prochaine émission d'ici peu. Prenez soin de vous, c'était un véritable plaisir. Encore merci à vous deux. Merci. Je suis sincèrement régalé sur cette première. Et puis à bientôt, continuez de lire du manga. Et n'oubliez pas, Asano, c'est quand même le boss.